Allez, bonjour à tous, ici Cénandron pour le 12e épisode, si je me souviens bien, de ma saison 1 en hardcore sur Torchlight 2. Allez hop, on y retourne la dernière fois. Attendez, j'ai chargé la partie, c'était celui-là, voilà. On était dans les collines gelées, et on continuait la quête principale. Et on se souvient, la dernière fois, je commençais à galérer un petit peu au niveau de... du tapage sur la figure. Attendez deux secondes, il y avait quelque chose. Allez, allez, charge. Plus vite. Allez. Le petit nain dans la machine a du mal à tourner la manivelle. Allez. Toujours en long. En fait, ça dépend de la taille de la zone. Plus la zone est grande, plus c'est long à charger. Alors, les collines gelées. On va essayer d'atteindre la quête de la clé d'ambre. Donc pour ça, on va continuer. Bah alors, je te tire dessus, mais non, t'as pas envie. Voilà. Bam. Outremondice. Essaye d'avancer par là. Un élite Goblin Spellbinder. Oh, un brassard bleu. Ah zut, j'ai pourtant dit que je le faisais la dernière fois. J'ai complètement oublié de régler l'inventaire. Attendez, on va faire un rapide ménage. Et s'il faut, je ferai le tri plus tard. Non. Voilà. On continue. Oula, il y a du monde là par contre. Je vais essayer d'éviter les coups. Aïe, ouais. Oh la vache. Ils font quand même bobo. Hein. Pas trop sur quoi je tape. Ah, il y a un élite. Il y a un élite. Oula. La vache, et ma vie, elle descend à une vitesse. Oh. J'ai failli crever là. Ils sont franchement pas drôles. Ah, on sent que ça commence à devenir un peu plus dur là. Ouf. Je suis pas sûr d'arriver à la fin de l'acte. Oui, je sais que mon pet est à moitié cassé. Voire complètement défoncé. Hein. Il passe son temps à essayer de se régénérer pour taper un coup. Et peut-être que je lui donne des poissons en fait. Pour l'améliorer, mais bon. Comme j'y pense jamais. Bam. Avec des élites, sorcier mes couilles là. D'autres mondes, élite Nethermancer. Bam. Une ceinture non identifiée, ça c'est cool. Attendez, on va virer un petit peu. Ah bah oui, carrément plein lui aussi. Hop, on va l'envoyer en ville. Ah, une quête secondaire. Attendez, on va faire lui. C'est quoi ça? Oula, il y a son copain. Ok, pas beaucoup de vie, puissantes attaques de glace. Ouais, prévision, on prend une popo. C'est quoi déjà 4? Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Je me souviens plus de ce que j'ai mis sur mes touches quoi. Ou si c'est pas la merde, si c'est pas la merde. Oh la vache. Frôler la catastrophe. Heureusement que j'ai quelques réflexes. Il
Attendez, peut-être que j'arrive à monter sur le caillou. Je me suis retrouvé bloqué alors qu'il y avait des ennemis autour. Oh là là. Ça m'a fait flipper. J'ai cru que j'avais vraiment y passer pour le coup. Allez, allez, allez. Non, je me fais. Voilà. En fait, il gèle à la fin. Laissez le pote, mon pote tranquille, il est gentil lui. Alors, j'aimerais bien que mon pet rentre. Ça serait sympa. 36, 36 secondes. Bon, j'irai chercher les objets plus tard. Je vais aller parler au gardien du chemin. Juste faire les mobs qui arrivent. Juste un mec tranquille. Oula, celui-là, il a failli me défoncer. Voilà. Vous tombez bien, je crois que j'ai trouvé l'antre de l'alchimiste, ici, dans les cavernes de glace profonde. J'ai trouvé un journal juste à l'entrée. Il parle d'entrer dans la mine de Torchlight et retrouver le cœur d'Ordrak. J'ai essayé d'en savoir davantage en m'enfonçant dans la caverne, mais les créatures vivant à l'intérieur sont trop fortes pour moi. Vous trouvez les autres journaux de la... Ah non, trouver les autres journaux, je vais y arriver. L'alchimiste serait sûrement très utile pour déterminer comment l'arrêter. Celui que j'ai trouvé semble être le quatrième volume. Il y en a probablement trois autres dans les cavernes classées. Ouais, bah, ok. Ouais, bah, c'est une bonne idée. D'ailleurs, ça pourrait me faire repé. Boum. Alors, je vais faire juste un petit peu le tri. Ça, ok, je vire. Ça, je vire, ça me servira à rien. Après, il faudrait que je fasse un check-up. Ça aussi, je vire. Ça me servira à rien. Boost. Ça m'embête tout ça, ça m'embête. Bon, on verra bien. On verra plus tard. Ah, bon d'accord. Il fallait juste un mob. Hop. On améliore. Les compétences. Ah bah tiens, voilà, dernier. Pluie venimeuse. Vous tirez une rafale d'éclairs empoisonnés en l'air, lesquels frappent le sol dans un rayon de 4 mètres autour de l'emplacement de la cible. La pluie frappe avec 8 vagues par rafale. 8 vagues par rafale, ça veut dire quoi ça? Allez, on va essayer. Hein. Ah, c'est sympa. Fait classe. Allez, on va faire la quête option. On va essayer la super technique. Ouais, c'est pas mal. Boum. Oula. Putain, qu'est-ce qu'ils font mal dans le coin. Mais voilà, désolé, il y a eu un coup de fil intempestif. Oula, il était un drôle de gueule. Oui, c'est bon le téléphone. Désolé si ça fait du bruit. Hein. Juste à côté du tel. Du coup, il fait parfois un peu de bruit. Ah, mais il y a eux aussi qui font cher du dégât là. Attendez, on va utiliser notre super technique. Ouais, ça fait des dégâts en plus, hein. Regardez, hein. Bon, voilà, j'ai complètement raté. Eh, hey, il est mort avant. Prenez le popo. Mais qu'est-ce qu'ils font mal, les héros? Prouch. Allez hop, je crois que tapisse les murs. Et je suis full. Voilà, ça aussi je vire. Ah, faudrait vraiment que je range tout ça, quoi. Pff, ils ont quelle taille, eux? Oh, vu la taille des cœurs, ils sont immenses. Ah bah attendez, on va faire notre super sort.
Oh génial, c'est pile pour ça, ils sont lents. Voilà, je reviens, désolé, encore un appel. C'est le syndrome de l'appel masqué, je sais pas si vous le connaissez. Toujours des appels pour rien, où il n'y a personne au bout du fil. Du coup, c'est assez énervant, surtout que je suis vraiment à côté du téléphone. Et je suppose que ça doit aussi vous saouler, ça fait des coupures dans l'épisode. J'en suis très désolé. En fait, ils jettent des gels, c'est pour ça. Ça fait cher des coups critiques, en fait. Bon, par contre, ça fait assez bobo aussi. Ils en deviennent tout petits, c'est drôle. Se soigne. A tuer avec du feu. C'est du feu, ça? Putain, mais ils se soignent bien, en plus. Déconne pas. Allez. Oui, je l'ai eu. Vache. Ah, c'est pas facile quand même. Bon, je suis flou. Ah, ça m'embête d'être full comme ça. Faut impérativement que je pense à faire le tri à la fin de l'épisode. Il y a du monde. Il y a vraiment du monde. On va prendre une popo d'urgence. En précaution. Je sais, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Bordel. Il rigole pas, cela. Quand il tape. On sent que ça devient plus difficile quand même. Ah, mais il y avait un élite. Qui fait mal aussi. Bouge pas. Et je cours dans le vide. Je suis full. Ça vous tente une petite pluie? Yeah. Oh yeah. En plus, ça fait cher mal en fait. Oh yeah, ça. Ah, c'est assez drôle quand même. Oula. Par contre, toi, tu rigoles moins. Bordel! Putain, il rigole pas, celui-là. Ah, mais c'est un élite. Je comprends mieux. T'as les lueurs de froid, là. Ils aiment pas rigoler, hein. Heureusement qu'il y a de plus en plus de potions parce que ma consommation elle augmente aussi. Oh le réflexe. Le réflexe de fou, je suis pas sûr que j'aurais survécu. Oh la vache. Allons descendre, l'épisode devient plus tendu. Ah mais je suis complètement fou, qu'est-ce que je peux y faire? Dès que je coupe l'épisode, mais j'ai pas envie encore une fois couper l'épisode, ça va vous énerver. Ils sont combien là? T'approches pas toi. Non, mais tu charges combien de fois là? T'as pas un cooldown sur ta charge? Vachement difficile, surtout que j'ai pas encore trouvé de bouquin, ça commence à m'embêter. Oh yeah. Ça. Voilà, ça c'était une bonne occasion. Wow. Nombre de coups critiques. C'était cool. Il y en a un qui appelle les autres, là, c'est pas possible.
Je sais pas combien j'en ai tué là, mais ça a fait un paquet. Boum. On continue. Ah non, pas celui-là. Prendre une potion au cas où. Tuer les. Ah voilà, c'était un hurleur alpha, c'est pour ça qu'il est invoqué. Bon. Et ben voilà. Ça y est, c'est fini. Comme des petites merdes. Oh la vache. Bon, bon, bon. Ben voilà, ça y est, c'était le dernier épisode. 12 épisodes. C'est quand même pas mal. Du coup. Voilà. Bon, je suis un peu. Comment dire ? Un peu déçu parce que j'aurais aimé aller plus loin avec vous quand même. Mais bon. Bah, un peu mort comme une merde. En même temps, c'est un peu obligé. C'est surtout les trash mobs qui peuvent nous tuer, mais pas vraiment les. Les boss. Ah, c'est dommage. J'étais niveau 15 quand même. C'est pas mal. Surtout en vétéran, c'était. On va dire que c'est assez honorable. C'est assez honorable. Bon. Alors, je sais pas trop quoi dire en fait. Je suis mort un peu comme une bouse. C'est dommage. Ah, pour trouver une excuse, j'ai été déconcentré par les coups de téléphone. Hein. On va dire que c'est ça. J'en touche même plus. J'ai pas envie de faire retour au menu principal parce que. Ça voudrait dire que j'ai vraiment perdu. Y'a pas moyen de se relever là. Petit bouton de triche. Vous avez rien vu. Oh là là. Bon bah voilà, fin de la saison 1. J'aurais aimé aller plus loin, faire genre une vingtaine d'épisodes. Mais bon. C'est pas possible. Ouais. Finalement, ça n'a pas été possible. C'est dommage. Enfin bon, j'espère que ça vous aura plu, tout ça. Et... N'hésitez pas à parler de cette saison à vos amis, à partager sur les réseaux sociaux, à venir en discuter sur mon Twitter, ça peut être pas mal, si vous voulez parler avec moi de cette saison, tout ça. La prochaine saison sera, je pense, une plus courte saison encore, en multijoueur. Ça sera en multijoueur, je pense qu'on va prendre le NDS Donjon et puis on va essayer d'aller le plus loin possible en une séquence. Je pense que ça peut être sympa en hardcore avec des bien sûr pour histoire d'avoir un bout et on ira le plus loin possible dans le NDS Donjon qui s'adapte à votre niveau, mais bon, la difficulté est la plus difficile quoi. Enfin bon bah voilà, j'espère que vraiment ça vous aura plu, tout ça. N'hésitez pas à commenter, partager, ça fait deux fois que je le dis mais c'est pas grave, et puis voilà, je suis un peu dégoûté. Ok. Et ben voilà, et puis à la prochaine, salut à tous !